Morgen Aleiden. Nous sommes le lundi 4 Adar Bet 5776 et l'étude sera les Lunich Matrivka Batsara, Rachel Batsara et les Fouat Sarah Bat Dina et Bracha Bat Dina. Nous étudions Baba Kama Perek He Mishna Dalet. Shor Shaya Mitkaven Lachavero Veika et Aisha Veyatsu Yeladea Patur Midme Vladot. Veadam Shaya Mitkaven Lachavero Veika et Aisha Veyatsu Yeladea Meshalem Dme Vladot. Keitzad Meshalem Dme Vladot Shamin et Aisha Kamai Yafa. עד שלא ילדה, וכמה היא יפה משילדה. אמר רבן שמעון בן גמליאל, אם כן, משהאישה יולדת משבחת. אלא שמין את הוולדות, כמה הן יפין, ונותן לבעל. ואם אין לבעל, נותן יורשיו, הייתה שפחה ונשתחררה, או גיורת, פטור. דוק משנה, ופרלה דין הלכה, סנגוליאר, פרטיקוליאר, כסתום דן התורה, סל הלכה, דמי ולדות. דבור שפרזנט לנות קור, le programme de notre cours, c'est simple. Je vais d'abord vous introduire à l'oral les halakhot nécessaires pour comprendre cette Mishnah. Et puis, après, on va parler d'un cas particulier proposé par la Torah, qui en fait, notre Mishnah va parler en référence à ce cas. Je m'explique. Les halakhot d'Edmei Vladot, qu'on va tout de suite introduire et expliquer, elles sont vraiment simples. Il n'y a rien de très compliqué. Le problème, il est que la Torah a voulu inclure un cas spécial, nous apprendre sur le chemin une petite halakha particulière, et donc la Torah elle a compliqué la scène de cette halakha, et la Mishnah, en parallèle, va ensuite reparler de cette même scène, et donc ça va donner une allure un peu à ces halakhot un peu compliquées. Mais concrètement, les halakhas sont simples. C'est quoi les Dmei Vladot d'abord? Dmei Vladot, c'est Dmei, c'est la chose d'Amim, la valeur, Vladot des fœtus. On va parler en fait d'un cas où, on va prendre un cas simple. Un homme qui met un coup à une femme enceinte et la fait avorter. La Torah nous dit qu'il faut la dédommager en lui versant la valeur des fœtus. Comment on évalue le prix des fœtus? C'est pas compliqué. À l'époque, il y avait le marché des esclaves, donc on partait, tout avait un prix, tout était évaluable, et donc on pouvait calculer combien ça coûtait en considérant le fait que peut-être que ces fœtus... Ce fœtus ne va pas être viable, peut-être qu'il va mourir, et puis même s'il va naître, combien il va falloir suer pour enfin commencer à toucher un petit dividende, jusqu'à l'âge de 5-6 ans, il va pouvoir rien faire. Donc tout a un prix, tout se calcule, tout peut s'évaluer, d'accord? Donc, premièrement, un homme qui met un coup à une femme et la fait avorter, doit dédommager, payer les dmei vladot, ce qu'on appelle les dmei vladot, donc la valeur des fœtus. On expliquera qu'en réalité, il doit verser cette somme-là au mari, mais ça, on va laisser ça pour la deuxième partie de la Mishnah. D'accord? Maintenant, cas particulier. Si il met un mauvais coup à la femme au point où il la tue, et en plus de ça, cette femme avorte. Alors là, ça fait référence à une halakha qu'on a déjà introduite qui s'appelle Kim Lei Bedaraba Mine. La Torah nous dit toujours, lorsque sur une même action, on se rend passible de mort, et qu'il y a en plus de ça un devoir de dédommager, condamne-le uniquement de la sentence la plus grande, c'est-à-dire la condamnation à mort, et ne le condamne pas aussi au remboursement qu'il doit faire, d'accord? Kim lei bederaba mine, occupe-toi uniquement du gros dossier. Particularité dans cette halakha, c'est si il tue même sans faire exprès la femme, donc il ne sera pas passible de mort, mais malgré tout, puisqu'il a transgressé une avéra où il y a ici une peine de mort théorique, alors il sera même dispensé de dédommager aussi les dmei vladot ou n'importe quel dommage. On avait rapporté à l'époque l'exemple de celui qui va planter son prochain en lui déchirant plus de sa chemise à 400 shekels, peu importe. Il est condamné à mort et il ne devra pas rembourser en plus de ça la chemise aux héritiers. D'accord? Ça, c'était pour les deux à la halakhot assez simple. D'accord? Rembourser les dmei vladot, donc rembourser les prix des fœtus quand on l'a fait avorter, et la dispense de rembourser ces fœtus si toutefois il y a eu mort de la femme. Maintenant, on peut même rajouter un autre petit élément. Il faut savoir, lorsqu'un taureau encore une femme, qu'il la tue ou qu'il ne la tue pas, il sera toujours dispensé de rembourser les dmei vladot. Voilà pour les données nettes. On n'est toujours pas pour le moment capable de lire les psukim de la Torah qui parlent de cette mitzvah,
de cette halakha, parce que la Torah, elle a compliqué un petit peu l'histoire. La Torah, en fait, elle a parlé d'une mise en scène. Alors d'abord, je dis la halakha qui va en découler, et seulement après, on va voir ça à l'intérieur de Psukim, et ensuite on va revenir à la Mishnah. La Torah, alors il faut savoir maintenant, cas particulier, c'est, jusqu'à maintenant, on a évoqué le cas où on s'en est pris à la femme directement, on lui a mis le coup en la faisant avorter, ou bien en la tuant et en la faisant avorter. Maintenant, cas particulier, on va évoquer le cas, un cas particulier où la femme meurt, et que malgré tout, il faudra rembourser les dmei vladot, il faudra quand même payer les prix des fœtus. De quel cas on va parler? On va parler d'un cas où en fait, il y a deux personnes qui se disputent, pas avec la femme, deux personnes, deux hommes, des gros bras, et un qui décolle un mauvais coup à son copain, le copain, enfin copain ou mauvais voisin, et le voisin qui esquive le coup, et alors le poing qui part et qui frappe la femme et la tue, avec les dmei vladot. Alors, dans un cas pareil, c'est discuté, mais quand même, je vous explique la Mishnah selon le Rambam, d'accord? Pas selon Rashi, mais en tout cas selon le Rambam, comme ça au moins ça donne une allure claire. Si il a tué la femme dans cette situation en voulant frapper son copain, et c'est son copain qui a esquivé le coup, donc le coup est parti sur la femme et il l'a tué, il sera dispensé, il ne sera pas plus passible de mort du tout sur la femme, et dans ce cas-là, il devra payer les dmei vladot, il devra payer, rembourser donc ces fameux dmei vladot, c'est donc la valeur des fœtus, la rembourser même s'il y a eu mort de la femme. On fait ça dans les mots des psukim, parashat Shmot dans Mishpatim, un petit peu avant les quatre nezikim, avant l'arba nezikim, la Mishnah nous dit comme ça, la Torah nous dit comme ça, Perek Chaf Aleph 21, Pasuk 22, Vechi natsu anashim, venagvu isha hara, veyatsu yeladea. Lorsque deux personnes, vechi natsu anashim, deux personnes vont se disputer, vont se battre, et venagvu isha hara, veyatsu yeladea. Et ils vont mettre un mauvais coup à une isha hara, une femme enceinte, comme Herayon, veyatsu yeladea, et ses fœtus vont sortir, donc elle va avorter, ils vont mourir. Velo yeason, et qu'il n'y aura pas de ason, de catastrophe, il n'y aura pas eu mort d'homme. La question est de savoir, mort d'homme de qui? Du copain ou de la femme? C'est là où je vous ai dit qu'il y a une discussion, mais en tout cas on explique selon Rambam, Velo yeason, c'est qu'il n'a pas tué son copain, mais qu'il a plutôt tué la femme. C'est en fait une discussion dans la Gemara, mais d'accord. Anosh ye anesh, alors la Torah nous dit, Anosh ye anesh, il faudra lui donner un onesh, le faire rembourser, Kasher yashit alav baal aisha, comme ce que le mari de la femme lui imposera de dédommager, venatan biflilim, et il devra le rembourser devant les juges. Enfin, pour notre propos, ce qui nous intéresse en tout cas, donc je vous ai dit, c'est l'histoire avec la fameuse mise en scène où les deux personnes ont, se sont battues. Selon le Rambam, qui va selon d'après Rabbi Shimon, en fait, on parle où il a voulu frapper son copain, il a frappé la femme, et il a effectivement tué la femme même. Et dans ce cas-là, la Torah nous dit, Anosh Yanesh, il faudra quand même lui donner le Onesh, lui donner le faire débourser ce de mes vladot. D'accord? Et ensuite, le passage prochain nous dit, Veimason yé, Veinatata Nefesh, Tachat Nefesh. Par contre, s'il a eu mort d'homme, plus précisément la mort du copain, alors dans ce cas-là, on sera dispensé de rembourser. Voilà pour les psukim. Maintenant, pour en revenir maintenant à notre Mishnah. Le but de notre Mishnah, étant donné que jusqu'à maintenant on parlait des taureaux, donc la Mishnah maintenant va conclure les halachot des taureaux qui encornent, en enchaînant sur les dmei vladot, et comment est-ce qu'on va faire cette transition en parlant du cas où le taureau encorne une femme et la fait perdre ses fœtus, la fait avorter donc, et la Mishnah va nous dire que le taureau est dispensé. Et du coup, comme c'est l'habitude dans le jazz, dans les Mishnayot, puisqu'on a déjà évoqué le cas des dmei vladot, de ce remboursement-là, de payer le prix de l'avortement, de rembourser les fœtus. Alors là, maintenant, on prend le tremplin et on va introduire toute la halakhot des dmei vladot. Ça va durer une seule Mishnah. Dès la Mishnah prochaine, on va changer de sujet complètement, on va se mettre à parler de bor. Mais pour le moment, on fait ça dans les mots, regardez. Shorsh, le but, donc je rappelle, le but maintenant de cette Mishnah, de la première partie de la Mishnah, va être de nous dire, sache qu'un taureau qui fait avorter une femme ne doit pas rembourser les dmei vladot. On déduit ça d'un pasouk qui a écrit dans la paracha du taureau qui est encore, il y a marqué là-bas, au balachar, on a qui, bin mevladot.
Enfin voilà, on fait ça dans les mots. Shor Shaya Mitkaven Lachavero, un homme, un taureau, qui voulait encorner son camarade. Veika et Aisha, et il est parti, il a encorné la femme. Veyatsu Yeladea, et il lui a fait perdre ses fœtus. Patom et Mevladot, il est dispensé, exempté de dédommager les Dmei Vladot, la valeur des fœtus. Il ne devra pas les payer. D'accord ? Comme ce qu'on a expliqué, la Mishnah en fait nous dit simplement un taureau, dans tous les cas, ne paye jamais les Dmei Vladot. La Mishnah a préféré parler de ce cas pour garder le parallèle avec le cas de tout de suite qu'on va évoquer, le cas où l'homme le tue. Et donc la Mishnah continue et nous dit par contre Ve Adam Shaya Mitkaven Lachavero, un homme qui voulait frapper son prochain, son copain. Et, sans faire exprès, par rapport à la femme, le copain a esquivé le coup. Veika et Aisha, Veyatsu Yaladea. Et finalement, le coup est parti sur la pauvre femme et. Et il l'a fait avorter, et donc entre parenthèses, même s'il l'a tué selon Rambam, d'accord ? Mais Shalem Dmei Vladot, dans un tel cas, l'homme devra rembourser les Dmei Vladot, la valeur des fœtus. Donc, en une courte phrase, la Mishnah vient nous dire, un taureau est dispensé des Dmei Vladot, un homme doit payer les Dmei Vladot. C'est clair ? Maintenant, on continue. La Mishnah maintenant va nous rentrer dans les détails pour nous dire comment évaluer la valeur des Dmei Vladot, de ces fameux, donc, valeurs des fœtus. On a tout à l'heure évoqué le cas du marché des esclaves. Donc la Mishnah nous dit « Ketsad meshalem Dmei Vladot » Comment va-t-on évaluer, estimer le prix des Dmei Vladot, le prix des fœtus ?« Shamin et Aisha kama hi yafa » On va aller évaluer « Shamin menachon la shuma » Évaluer la femme, combien elle coûte, combien il y a face, ça ne veut pas dire combien elle est belle, mais combien au marché on est prêt à payer pour une telle femme. Ad shelo yalada. Donc on va partir évaluer combien coûte une telle femme avant qu'elle accouche. Vekama hiyafa mishe yalda. Et combien elle vaut une fois qu'elle a accouché. Et on va dire, regarde, une femme avant d'accoucher au marché des esclaves, de tel gabarit, tel âge, elle, selon son savoir, ses connaissances, qu'elle est capable de faire, tout ça. Elle coûte 50 000 euros quand elle est enceinte, et elle coûte 48 000 euros, donc je déduis que les fœtus coûtent 2 000 euros. Bonne déduction, non ? Vraiment, pas du tout, mais c'est pas grave, je l'expliquerai après. Enfin, on continue. Amar Rabban Shimon ben Gamliel, Imken Misha Isha Yoledet Meshabachat. Rabban Shimon ben Gamliel a un problème avec cette manière de calculer, il nous dit, mais non, parce qu'une femme... Imken, si c'est ainsi que tu dois calculer cette différence-là, de me dire 50 000 avant et 48 000 après, Misha Isha Yoledet Meshabachat, il est faux ton calcul, parce qu'une femme, après accouchement, coûte plus cher. Et la Shaminet Avladot Kama Hen Yafin, mais contente-toi uniquement d'évaluer la valeur des Vladot, combien elle coûte au marché des esclaves. Et j'explique. Quel est le problème de Rabban Shimon ben Gamliel et quelle solution Rabban Shimon ben Gamliel propose? Rabban Shimon ben Gamliel, il dit comme ça. Il est vrai que la femme coûtait initialement, quand elle est enceinte, 50 000 et que maintenant elle coûte 48 000. Donc ça fait une différence de 2 000. Mais me dire que cette différence, elle est due au Vladot, au fœtus, c'est faux. Pourquoi? Parce que peut-être que les fœtus en réalité, ils coûtent 5 000 euros. Ah, mais alors pourquoi est-ce qu'on ne paye pas la femme, 53 000 euros. C'est très simple. Parce qu'une femme, lo aleinu, encore plus à l'époque, une femme en couche, elle est en danger, elle risque d'y rester. Et de ce fait, certes, les Vladot coûtent 5 000, mais on n'est pas prêt à payer la femme 48 000. Donc on va, la femme, avant d'accoucher, elle coûte en fait 45 000. C'est pour ça. Donc finalement, on ne peut pas calculer et dire que cette différence-là, c'est la différence de la valeur des Vladot. C'est faux, peut-être que les Vladot coûtent beaucoup plus cher. Premièrement. Deuxièmement, un autre problème, un peu plus délicat, mais quand même, on le dit rapidement quand même, c'est une femme, particulièrement à l'époque, les personnes bien portantes coûtaient plus cher, paraissaient beaucoup plus en bonne santé, beaucoup plus beaux même, quand ils étaient gros, ils étaient bien en chair, ils avaient des bonnes midotes, comme ça on dit chez nous, des bonnes mesures,
Et donc, voilà, coûtait plus cher. Donc, en fait, même la femme qui coûtait 50 000, qui m'a dit que les 2 000 supplémentaires étaient complètement dus au foetus? Peut-être qu'en réalité, il y avait 1 200 pour les foetus et 800 parce qu'elle, maintenant, elle paraissait beaucoup plus grosse, alors qu'après accouchement, elle est redevenue toute maigre. Donc, finalement, on ne peut pas évaluer de cette manière. D'accord? Je vais vous expliquer dans 2 secondes quel est les points de discussion exacts. Mais en tout cas, Rabban Shimon ben Gamliel, suite à ces questions sur Chachamim, donc, nous dit comme ça: Et la chamine tavladot kama yafin, contente-toi uniquement de partir au marché des esclaves, de trouver là-bas une femme enceinte, et de dire: écoute, cher ami, combien veux-tu payer pour acheter ces foetus? Les foetus uniquement, pas la mère avec ses foetus, et tu me calcules la différence, mais uniquement les foetus. Pour ça, tu es prêt à mettre combien dessus? 5000 euros. Ça vaut le coup. Si toutefois t'as raté, tant pis. Et si toutefois ils sont nés, ben tu les éduqueras, tu leur feras boire du lait, tu leur changeras les couches. Mais au bout de 4, 5 ans, ils commenceront déjà à devenir un petit peu productifs. Et puis au bout de 7, 8 ans, 9, 10, 12, 13, 14, ils seront encore plus productifs. Et puis voilà, tu t'en seras bien sorti. Par rapport à un esclave qui coûte en maintenant 50 000 euros, tu leur as acheté 5 000 euros, tu auras investi 10 000 et donc tu auras bien gagné quand même une belle différence. D'accord? Ça, c'est l'avis de Rabban Shimon ben Gamliel. La Gemara précise qu'en réalité, Rabban Shimon ben Gamliel a un problème avec une femme pour sa première couche uniquement. Tant qu'elle est enceinte pour la première fois, comme tout le monde le sait, accoucher la première fois, c'est très difficile et très dangereux. Une fois qu'elle a passé le cap, alors, pour la deuxième fois, il sera d'accord avec Chachamim qu'effectivement, on pourra évaluer, faire cette différence comme Chachamim l'ont fait, parce que la femme ne baissera pas beaucoup son prix. Ce sera plus un grave danger d'aller accoucher si le premier accouchement s'est bien passé, bien évidemment. Avec quand même une autre petite précision aussi, c'est par rapport à au petit ajout de la femme. Comme on a dit, une femme en chair coûte plus cher qu'une femme maigrichonne, trop maigre. Alors, l'Agma explique qu'en réalité, Rami pense que cet ajout que les foetus, que la femme enceinte a en plus, et ben même ce petit ajout de la femme revient en réalité au mari, alors que Rabban Shimon ben Gamliel pense qui revient plutôt entre la femme et le mari, il faut se le partager. Enfin, on va pas trop compliquer l'histoire, mais en tout cas, on a donné les notions pour celui qui a réussi à tout comprendre, tant mieux, sinon les autres, c'est quand même très bien, on a bien expliqué plein de choses. Ensuite, on continue. Halakha particulière, maintenant, la Torah, toute la Mishnah maintenant va parler de ce détail, la Torah a attribué la valeur de ce remboursement au père uniquement. En théorie, ils sont tous les deux associés. D'accord, bah, la Torah a fait une halakha spéciale, elle a donné cette somme au mari, elle l'a attribuée au mari. C'est, je ne sais pas, une Xerat HaKatuv à mon avis, c'est un décret comme ça, HaShem a fixé dans la Torah. Donc ça revient au mari, les Dmei Vladot. Il y a quand même une discussion dans le cas où la femme n'a pas de mari au moment où elle reçoit le coup. C'est un cas particulier, mais avant d'en arriver à ce cas-là, on va d'abord maintenant, la Mishnah va nous donner plusieurs halakhot. Premièrement, tant qu'il y a un mari, on donne au mari. Ensuite, la femme qui reçoit le coup et qu'elle a un mari, d'accord, et jusqu'à ce que celui qui a donné le coup vienne payer, le mari est décédé, alors là, c'est les héritiers du mari qui hériteront de cet argent, pas la femme. D'accord? Cas particulier maintenant, une discussion entre Tosfot et Ravad contre le Rambam, qu'est-ce qui se passe lorsque le mari décède avant que la femme reçoive le coup? Selon le Rambam, la femme devient cette fois-ci c'est elle qui récupérera cette fois-ci cet argent, et selon les autres, on continuera toujours à chercher les héritiers du mari pour leur donner ça, parce que ça appartient au mari, en fait. D'accord? Enfin, concrètement, la Mishnah nous dit comme ça. Vénotez la Baal, et il faudra reverser cette mevladot, donc la valeur de ses foetus, au mari. Vimen la Baal, et si elle n'a pas de mari, donc, on explique selon Tosfot, d'accord? Pas selon Rambam. Vimen la Baal, si elle n'a pas de mari, qui est mort même avant de recevoir le coup, noten le yorshav, il faudra donner ce remboursement aux héritiers. Yoresh, un héritier, donc le yorshav à ses héritiers. D'accord? Maintenant, un cas particulier maintenant, très très original. On a déjà évoqué la halakha du ger shemet. Comme ce qu'on a déjà, on l'a déjà dit il y a quelques jours, un converti qui décède et qui n'avait pas d'enfants. Le pauvre, c'était ses seuls enfants qu'il devait laisser au monde, et il est décédé avant de recevoir son argent. Alors là, comme ce qu'on avait dit, un converti qui décède,
et qui n'a pas d'héritier, ses biens deviennent efker. Celui qui veut aller les chercher pourra les prendre. En l'occurrence, si un converti était marié à une femme, même à une femme israélite, une femme juive, l'école d'abord, complètement, et la Mishnah ne va pas parler d'une femme juive, mais ça revient en même en réalité, c'est le partenaire qui vient de le dire. Donc il était marié à une femme juive, à une femme, et il avait donc en route ce petit bébé qui devait naître, et malheureusement, ce monsieur lui a mis un coup à la femme. Entre-temps, avant ou après, ça ne change pas au problème, ce guerre-là, ce converti est décédé, donc il n'y a plus d'héritier. Une femme n'hérite jamais son mari. Une femme reçoit une ktouba, mais elle n'hérite pas son mari. Enfin, on expliquera tout ça quand on arrivera dans Babatra. Pour notre propos, la femme n'hérite pas de son mari. En l'occurrence, ce mari est mort sans laisser, ce converti est mort sans laisser d'héritier. De ce fait, celui qui a mis le coup ne devra rien reverser à personne. D'accord ? Selon la discussion qu'on a évoquée tout à l'heure avec le Rambam et le fait que le mari meurt avant que la femme reçoive le coup, alors là, ça fera une petite différence, mais vaut mieux pas compliquer. Si la femme n'a pas de mari, elle devra verser aux héritiers. Alors, la femme était en fait une esclave affranchie, qu'on a libérée, donc qui a le même statut qu'une convertie. C'est quelqu'un qui rentre dans le peuple juif sans avoir de famille. Ou tout simplement, c'était une guillorette, une convertie. Attention, on parle essentiellement... On part du principe qu'en général, oui ou non, en tout cas une convertie se marie plus facilement avec une convertie, et donc de ce fait, ils viennent ensemble. Donc quand on dit une guillorette, on fait en fait allusion en fait au mari qui était un guerre. Mais si c'est un juif qui était marié avec une convertie, donc alors là, l'halakha ne sera plus en vigueur, puisque ce sera le mari qui héritera. D'accord ? Enfin, Aïta Shifra Benishtachera, si c'était une femme, donc une esclave qui a été affranchie, ou bien une convertie, comme ce qu'on a dit, marié à une convertie, ou bien un esclave qui a été affranchi, lui aussi, pas tour, on ne devra plus payer les dmev la dot dans le cas où le mari est mort. C'est clair, on a fini la Mishnah, on fait le Bartenora maintenant. Shor Shaya Mitkaven la Chavero Vechule. On revient sur le premier cas de la Mishnah, on parlait d'un taureau qui a voulu encorner un autre taureau, et finalement est parti encorner une femme enceinte et l'a tuée. Alors pourquoi avoir compliqué tellement cette scène? Alors la Mishnah nous dit, le Bartenora nous dit, Aide debae le mitne seifa adam shaya mitkaven la chavero. Du fait qu'on a voulu enseigner dans la deuxième partie de la Mishnah, la halakha d'un homme qui a fait avorter une femme. Et dans ce cas-là, on va être obligé de parler du cas où il a voulu mettre un coup à son ami et que le mauvais coup est parti ensuite sur la femme. Alors de ce fait, on a voulu garder le parallèle, Tana reisha nami, shor shaya mitkaven la chavero. On a voulu enseigner aussi la première partie de la Mishnah, en évoquant le cas d'un taureau qui a voulu tuer, qui a voulu mettre un coup à son taureau copain et que finalement il a tué la femme. Parce qu'en réalité, même si le taureau visait la femme et l'a tué, il sera toujours dispensé de rembourser les dmev la dot, la valeur des fœtus. Shen chayav bid mev la dot et la adam bilvad, car le devoir de dédommager les dmev la dot, de payer ces dmev la dot, n'incombe qu'un homme qui fait avorter la femme et pas un taureau. Imken misha isha yoledet meshabachat. Alors ça, maintenant, on vient sur la deuxième partie de la Mishnah. Comment évaluer la femme? Que Tanakama a dit de faire la différence entre le prix avant accouchement et après accouchement. Et Rabban Shimon ben Gamliel n'était pas d'accord. Il a dit, mais dans ce cas-là, c'est fausse histoire. Misha isha yoledet meshabachat. Depuis le moment où la femme accouche, elle prend plus de valeur. Et alors il nous explique Bartenora, Imken dekar shamin ke deka amarta. Si tu penses évaluer, estimer le dégât de cette manière, ishtakar de lo yaiv le midi. Parfois tu te retrouveras dans des situations où il faudra rien rembourser. Share mishe aisha yoledet meshabachat. Car à partir du moment où une femme accouche, elle prend elle plus de valeur. C'est-à-dire, shedamea proutin leimacher kodem sheteled, shemesukenet ilamut betzara neda. Car la valeur de la femme est moindre à la vente, quoi. Elle coûte moins cher, concrètement, donc elle coûte moins cher. Kodem Sheteled, avant d'accoucher, pourquoi? Chez Mesukhenati, la moutre, car elle est en danger de mort. Betsar Aleda, à cause de la douleur de l'enfantement. Aïta, Shifra, Venishtachrera. Maintenant, on se rapporte sur le dernier cas de la Mishnah, où on a parlé du cas d'une femme servante. Esclave,
qui a été affranchie ou bien d'une guéoret ou d'une convertie. Klomar, Aïta Meshuchreret, Nesoua Leger ou Leheved Meshuchar. Si c'était une femme libre qui était en fait mariée à un guer, à un converti ou bien à un Eved Meshuchar ou à un esclave affranchi, ou Guéoret Nesoua Lechad Men, ou bien même si c'était une guéoret qui était mariée à l'un des deux, ou Met à Baal, Patour, et que leur mari est mort, il est dispensé. Pourquoi ? D'Amarzik benirse ager shemet ven lo yorshin zacha veze kodem liskot bemash biado. Parce qu'on a déjà introduit cette halakha, que lorsque le converti décède, tout celui qui va vite saisir les biens du converti décédé, alors il les acquiert, parce que ces biens ils sont tous efker, puisqu'il n'a pas d'héritier. Et de ce fait, lorsque moi je dois de l'argent à un guer qui décède, dès que le guer décède, alors moi je deviens possesseur de l'argent que je lui dois. D'accord, je suis le premier à acquérir. Veze kodem liskot bemashemeyado. Et celui-ci est le premier à acquérir ce qu'il a dans ses mains. Veuadin nami le israélite anesoa le ger, vemet a ger. Il en va de même aussi pour une femme juive, Israël, l'école d'Avar, pour tout, complètement, mais qui était mariée à un ger, qui était mariée à un converti. Vemet a ger, et son mari est décédé. Des patours, qu'il sera dans ce cas-là dispensé de rembourser. Pourquoi ? Dad mevla dot laval, parce que la halakha elle fixe. Pas comme le Rambam, le Bartanora sur ça ne va pas comme le Rambam. Il nous dit que les Dmevladot appartiennent toujours au mari dans tous les cas. Et là, Mishum Destam Meshuchret. Alors, dans ce cas-là, le Bartanora se lève une petite question. Pourquoi, dans ce cas-là, tu parles d'une femme qui était forcément une convertie? On s'en moque, en fait, du statut de la femme. Ce qui nous intéresse, c'est le statut du mari. Alors, le Bartanora nous dit que c'est une manière de parler. Et là, Mishum Destam Meshuchret Vegioret Nesua Leger Vela Meshuchar. Étant donné que de manière générale, on se marie toujours avec ceux qui ont les mêmes origines que nous, si on est... peu importe, d'accord, si on est français, on se marie avec une française en général, pas avec une étrangère, c'est moins pratique pour communiquer, tout ça. Alors de la même manière, un guer se marie plus facilement en général avec une guiorette. Et la mishum destam meshuchreret ve guiorette nesuot le guer ve la meshuchar. De manière générale, une femme, une esclave affranchie va se marier avec un esclave affranchi, et une convertie va se marier avec un converti. La chinakat shifra ve guiorette, c'est pour ça qu'on a voulu enseigner le cas avec une shifra et une guiorette. C'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée pleine de hatzlacha et rendez-vous demain. Kol tov, selah.